est en direct, enfin en direct. En différé. En différé, d'ailleurs Yuriko, on va tester, parce qu'il y a des bandes de jeux. Donc ce qu'on va tester, ce sont des jeux Yuri, parce qu'à l'origine il y a des jeux Yuri et Yaoi, en rapport avec le thème. Mais le jeu Yaoi ne marche pas, donc on peut tester que des jeux Yuri. Ça tombe bien, on est une équipe de deux mecs et on aime bien le Yuri. Voilà. Même si on n'est pas aussi automatiquement aussi pervers que les jeux, quand même, attention à ne pas perdre la malgré. Donc on va commencer, on faut savoir, on n'a jamais joué, enfin moi en tout cas j'ai jamais joué à des jeux de jeu érotiques, donc on va tester, c'est en anglais en plus, donc quand on est mauvais en anglais, bah, ça va être très amusant. On va espérer pouvoir vous montrer quelques petits trucs. Voilà, donc ça commence bien. Ah, une écolière. Bon, comme d'habitude, un grand classique. Hein. On vous laissera malheureusement pas lire les dialogues, ou alors faudra faire pause sur la vidéo. À vous de voir. Parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus. La convention se termine dans une demi-heure, puis on est un peu fatigué après deux jours de convention. Donc un peu. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est dans le noir, on est dans l'église. Ça commence bien à la vidéo. Donc, on reprend la vidéo. Bon, on va être obligé de parler fort parce que sinon on n'a rien à entendre. Donc, on continue toujours sur le jeu. Il y a l'envers d'explication. Bon, comme on est nul en anglais, on va dire qu'on comprend rien. En gros, tu badges, donc des lignes rouges et il faut appuyer sur Z pour descendre dans la photo. Voilà, donc on va faire ça. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on va faire un traducteur. Qu'est-ce que vous dites, traducteur? Tu vois les jeux de portable débile où t'as un coin de l'écran et tu fais des carrés où il n'y a pas de monstre dedans? Je crois que c'est un truc de ce principe-là. On va essayer de toute façon, regarde. Allez, on va tester, on va essayer. Et en haut, à gauche. Moi, je suis en haut, ouais. Ouais. À mon avis, c'est flèche et espace. On va essayer. Ah, c'est effectivement ça, mais... On va éviter les ennemis. On ne sait pas ce qu'on va faire. Allez, on va essayer de se lancer. Ah non, bon, ça m'a l'air mauvais en tout cas, ça tourne en haut. C'est une botte, ouais. Maintenant, si tu appuies sur espace, je pense qu'on peut traverser l'image. En fait. Il faut éviter les ennemis encore une fois. Il faut juste se balader comme ça. Essaye d'appuyer sur espace, mais quand il n'y a pas de monstre. On est vraiment nul, donc on espère qu'on va réussir à vous faire une démonstration. Zen peut-être. Ah en fait non, on peut se déplacer avec les touches et les flèches. Ok. C'est toujours pas ce qu'il faut faire. Bon, ça commence bien déjà. Mais c'était expliqué dans le début, mais comme si. Essaye avec les deux Z d'un quartier, mais c'est pas vrai. C'est W, je crois. Et l'objectif étant de faire des carrés dans lesquels il n'y a pas de monstre. Voilà, c'est l'effet, mais ouais, voilà, comme ça. Ah oui, c'est très amusant déjà. C'est un peu mieux quand on fait marche. Ah. Ils sont malades. Bon, ben, on dirait qu'on commence à s'amuser, hein. C'est bien, c'est dans le thème, hein, on y croit. Bon, vous le voyez pas, mais ils sont... Bon, voilà, déjà, première image. Bon, vous voyez pas, mais à côté, c'est un peu marrant, ils sont en train de se balader en zone chenille. Et on s'entend, oui, et tout, j'en ai là. Ouais, bon, voilà, donc, on va passer à un détail. Cette vidéo est interdite au moins de 16, hein, on précisera, ce sera marqué sur la vidéo. Je présume que c'est plus meilleur. Mais... On a dit, c'est bien. Ça m'a mis. Bon, je suis bouffé la gueule. Donc, à retenir, des espèces de pommes bizarres, ce sont des ennemis. Quand on est sur la ligne rouge, on ne craint rien. Quand on n'est pas sur la ligne rouge, on risque de te faire bouffer la gueule. Ah merde. Bon, il y a un ennemi. Ah non, on a le droit d'un ennemi. Si les ennemis te coupent la ligne, je pense que ça peut faire des points de vie. Ah, on peut éliminer les amis, c'est sympathique. Ah, on peut atomiser les amis. Oh, déjà, c'est plus chaud déjà. C'est déjà plus chaud que le match précédent. Bon, voilà, c'est achevé. Bon, on est toujours dans une église, on rappelle. Hein. Ouais, donc c'est...
Comment ça y va beaucoup d'ennemis. Maintenant qu'on commence à saisir un peu mieux le concept du jeu, on peut faire plus. Ah on s'est bouffé le. On peut plus vous faire une vraie démonstration. Allez, on est sauvage, on y va, on y croit. Allez, sauvage, sauvage, ouais, allez. Comment ça y va beaucoup d'ennemis quand même. Par contre, derrière, ça se dénude. Hein. Effectivement, je n'avais pas fait confiance. Ah, bouffer les vies en arrière de temps. Vous l'aurez vu, on ne fera pas testeur de jeux vidéo plus tard. Enfin, dis-moi, je ne ferai pas testeur de vidéo plus tard. Non, ce serait catastrophique. Oui, bien. On appelle ça un coup de chance quand même. Hein. Le stage est clear. Ah oui, déjà, c'est un peu beaucoup moins soft. Oh, je crois qu'on. On peut pas faire avec moins de vêtements. Hein. Je suppose qu'ils vont nous faire changer de main. Faites tourner dans cette partie. Du coup, bravo, pas que. Bon, elle parle de se masturber et tout, donc. Est-ce que là tout va bien. Est-ce que là tout va bien. C'est bien Yuri, hein, on confirme. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à lire le titre, c'est Escalation Euclid Panic. Si vous êtes intéressé. Bon, personnellement, j'ai suffisamment de jeux vidéo chez moi pour pas télécharger ça en plus. Donc elle s'est fait un petit plaisir. Voilà. C'est bien expliqué. Et je suppose qu'on va nous faire attaquer le suivant, le suivant. Comment vous passez un peu tout ça, parce que bon, on va pas. Voilà, on passe, parce que bon, c'est pas forcément plus intéressant dans un jeu Yuri. Non, pas vraiment. Je me rappelle, on a deux jeux à tester. Hein. Moi, je teste le premier, mon collègue testera le suivant. Allez, c'est parti. On a l'impression que la touche skip ne marche pas forcément pas bien. Ouais. On va mettre en auto aussi. C'est toujours des histoires d'église, on remarque, c'est toujours du politiquement correct. Hein. C'est fait. Et c'est reparti. Donc il y a des abus en plus, des ennemis en plus. Mais le principe est toujours le même. Moi je suis un sauvage, je traverse comme ça, moitié d'écran, donc c'est plus rapide. C'est assez violent. J'ai déjà clair. Bon bah voilà, vous voyez, j'ai déjà clair le niveau. Vous voyez les images speed. Hein. C'était le round 1. On va avancer dans le round 2. Hop. Ah déjà il y a un peu plus de trucs qui bloquent. Hein. Vous voyez là, une espèce de carré, ça bloque. Bon voilà. On va jouer au bluff, allez hop, encore une fois. Ça passe pas. Oh, c'est pas grave. Attention, il y a des ennemis sur la ligne rouge. Ah, il y a des ennemis sur la ligne rouge, oula. Ah, il y a des ennemis sur la ligne rouge qui suivent la ligne rouge en plus. Ah oui, il faut le savoir. Mais il faut pas sûr. Bon, on va le faire un peu plus lentement quand même. Quoi. Allez, voilà que tu peux descendre. Bon, ça reste pas trop dur pour l'instant. Voilà, ça peut aller un peu de monde, mais. Oula. Ça ressemble plus à rien. Hein. Comment tu fais ça? Et on a que. Je vais pas
fin du stage 2, hein, parce que après le but c'était juste de tester, de montrer un peu ce que c'était. Je pense qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez plus, vous téléchargerez le jeu légalement ou illégalement. À vous de voir. Ah, j'ai failli compléter. Aïe. Bon, et. Il y a des trucs qui permettent d'éviter que les joueurs trichent et fassent. Ah. Bon. On va éviter de traverser tout le terrain, ça passe. Gap, il ne reste qu'une vie. Alors, moi, si je meurs, ce sera une bonne excuse pour arrêter. Voilà. On va attendre là. On va se calmer. Et on va traverser. Ouais, bien. Vous avez presque ce que je fais pour jouer à des jeux Yuri. Presque. Si j'avais perdu moins de vie, ça serait mieux passé. Ah, bon, bah. C'est un échec cuisant. Mais bon, on vous a montré ce que c'était, hein. C'est ce qui compte. Vous saurez sans doute que la prochaine édition viendra aussi, si ça vous intéresse, sans pour autant être pervers. Donc voilà, donc on a fini avec ce jeu-là. Sans pour autant être pervers. Bon, on vous fait un texte express du deuxième jeu Yuri qu'on a trouvé, hein, parce qu'on a trouvé beaucoup plus. Donc voilà, donc on fait le deuxième, on teste le deuxième jeu. C'est mon collègue, cette fois-ci, il teste, hein. Donc on passe, parce qu'on n'a plus beaucoup de place dans les cartes mémoire. On a fait bullet time, mais c'est pas grave. Donc on continue d'avancer, hop, express, hop, on skip tout, allez hop, c'est parti. Le skip a l'air de mieux marcher sur ce jeu-là, hein. Apparemment, il y en a trois cette fois. Ça s'appelle Escalation, le jeu, si ça vous intéresse. C'est donc le premier de la série d'Escalation, déjà testé dans la première vidéo. Oh, apparemment, on a des choix scénaristiques. Fais auto, clique sur auto. On ne sait pas encore si c'est possible de faire un mauvais choix, on va voir. Il y a beaucoup plus de dialogue que précédemment. Il y a beaucoup plus de dialogue, voilà, que le jeu précédent. Et ça commence. Encore rien fait, on est déjà servi. Bon, vous voyez, c'est du Yuri Express. Hein. Ah, non, toujours pas. Et toujours pas. Visiblement, c'est un jeu qui est uniquement basé sur les dialogues. Voilà. On va lui demander son secret, allez, vas-y, demande. Ah, oh, mais non! Bon, on enchaîne, hein, pour l'instant ça clignote, hein, on a la marque, hein, ça part. Et vu qu'on va un peu vite, le jeu n'a pas vraiment le temps de charger.